Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et vous les copains, les copines, les sœurs, vous allez bien aussi? Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? On est en Corse. Tout à fait. Alors, on aurait espéré un petit peu plus de soleil et un petit peu moins de nuages, mais bon, malheureusement aujourd'hui, on a des nuages, c'est comme ça, et la mer est un petit peu agitée. Mais bon, ça va pas nous empêcher de tester. Qu'est-ce qu'on va tester? Ton masque. Oui, ton masque de plongée. Alors, souvenez-vous les copains et les copines, Néo l'avait reçu en cadeau lors du swap des vacances d'été. On vous met le lien du swap qui date d'il y a bientôt 2 mois quand même, hein, ça fait un petit moment. Alors bien sûr, le masque entre temps, bah, tu l'as expérimenté et re-expérimenté, mais on ne l'avait pas encore montré en vidéo. Alors Néo, tu nous expliques comment il fonctionne ton masque? Alors vas-y. Alors, à la surface, ça fait un tuba classique. Quand on nage à la surface en fait. Ouais. Oui. Et puis ensuite, quand on nage en profondeur, et bien là, il y a un système de blocage, cette bille. Oui. Quand on va sous l'eau, la bille, elle flotte et elle bloque l'eau. Donc en fait, il n'y a plus d'eau qui arrive dans le tuba quand tu pars en profondeur. C'est d'accord, ça. Comme la plongée classique. Et au niveau de la respiration, tu ne mets rien dans la bouche en fait. Ouais, c'est ça. Alors montre-nous, vas-y, mets-le sur ton visage. On fait la démonstration en même temps. Alors, voilà, le masque, vous voyez les copains et les copines, c'est un masque intégral. En fait, il prend tout le visage de Néo. Et du coup, voilà, là, on voit bien qu'il y a une étanchéité ici, voilà, sur les rebords. Et donc, en fait, Néo va respirer par la bouche. Tu peux respirer par le nez ou pas? Oui, aussi. Par le nez aussi, voilà. Mm-hmm. Les deux. En fait, tu respires comme si tu étais en plein air. Hein. Voilà, c'est le premier masque qui permet ça. D'habitude, on a juste le tuba, on respire uniquement par la bouche. Et là, en fait, ça permet à Néo de respirer complètement normalement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sympa quand même. Ouais, il est vraiment spécial ce masque. Alors maintenant que tu es équipé, alors vous voyez les copains et les copines que Néo n'a pas ses lunettes. En fait, c'est moi qui les ai. Tchouk, elles sont là. Mais malheureusement, Néo n'a toujours pas remis ses lentilles pour l'instant. On est toujours en épisode de chalazion. Voilà, voilà. Donc toujours pas de lentilles pour lui, hélas. Ça va aller quand même pour voir les poissons au fond de l'eau? Ouais, ça va aller. Ça va aller. Est-ce que tu es prêt à plonger? Oui, super. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est de t'équiper de la petite GoPro, puisque ici, il y a un emplacement réservé à cet effet. Et comme ça, on va pouvoir plonger en même temps que toi. Ouais, bien. On fait comme ça? Allez, les copains et les copines, on vous emmène plonger avec Néo. Te voilà équipé avec la petite GoPro. Ouais. Voilà. Donc là, tu es paré. Tu vas pouvoir nous faire partager ton moment de plongée. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti pour la plongée. Voilà, Néo est parti. On espère qu'il va nous ramener de belles images de son exploration.
Et Néo est finalement rejoint par Swan. Coucou Swan. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que t'as fait de beau pendant que Néo était sous l'eau? J'ai pêché un petit peu quand même. T'as pêché quoi toi? Des canards en plastique? Oui. C'est la pêche de Swan. Alors Néo, c'était comment cette plongée? Ah, c'était trop bien. T'as vu des belles choses? Ouais. Des poissons, des gros, des petits, des moyens. Bon, sympa. Sympa. Et alors ce masque, c'est comment? Bah, il est très pratique. Hein. Qu'est-ce qui est mieux alors par rapport à un masque et un tuba classique? On peut respirer en surface. On peut respirer par le nez, tu veux dire? Ouais. Oui. Respirer comme si on était à l'air libre en fait. C'est ça. D'accord. Puis je pense que c'est pas mal aussi la bille qui bloque l'air. Enfin, qui bloque l'entrée d'eau quand on est un petit peu en profondeur, parce que c'est vrai qu'en général, quand on nage avec un tuba, c'est le coup classique, on se prend une vague et bon, on boit la tasse, alors que là, t'étais tranquille. Bon, bah, tant mieux que ça t'ait plu, dommage qu'on n'ait pas eu un temps idéal, mais bon, tant pis, au moins tu auras montré aux copains et aux copines ce que tu fais avec ton beau masque depuis le début de l'été, parce que tu t'en es déjà souvent servi, c'est vrai. Ouais. Les copains et les copines, quel est le moment que vous avez préféré? L'inventaire! Pensez au puzzle! Et surtout, abonnez-vous! A bientôt les copains et les copines, bye bye! A bientôt les copains et les copines, bonne plongée à vous aussi, vous avez encore l'opportunité d'en faire. Bye bye tout le monde! Wouh!